Eh bien, bonjour à tous, les amis. Je suis en place. J'espère que vous allez bien. La place pour me poser sur le toit. Donc, on se retrouve sur notre jeu tryhard du moment, Call of Duty Modern Warfare 2. Je vois deux gardes armés devant la porte. Et on est sur la mission de El Sin Nombre. Putain, comment vous avez fait ça? Donc, la dernière fois, j'ai ultra galéré. J'ai sauté en visuel. Lors de la mission violence sécurité, on était à bord du véhicule. Maintenant, oui. Il l'amène dedans. Donc là, on va essayer d'infiltrer la Casa de Papel. Hermano. Alejandro, comment t'as... Pas le temps pour les explications. Écoute-moi attentivement. Dis la vérité. Donne-leur tout ce qu'ils veulent savoir, sinon ils te tueront. Ok, du coup, c'était mon pote qui m'avait... Oui, tout. Qui m'avait libéré, enfin capturé, on va dire. Pas libéré, mais capturé. Shadow Company, Philip Graves. Donc la mission précédente consistait à libérer Laswell. Même ton nom. Et on avait réussi. C'est bien lui? Oui, chef. Il a un nom, le Mohawk? On m'appelle Soap. Soap, c'est quoi ce nom à la con? Suis-moi. Je veux voir El Sin Nombre. Il veut voir le boss. Si t'es en vie, c'est parce que tu détiens peut-être des informations. Et elles ont intérêt à être bonnes, gringo. Ou sinon, je te ferai bouffer ta putain de crête, ok? Dégage de mon ascenseur. Il a pas l'air content, le bouffeur de churros, là. Ici, c'est chez moi. Avance. Tu ne verras le boss que quand je l'aurai décidé. Tu ne parles que lorsqu'on t'interroge. Et plus important encore, tu dis la putain de vérité. Ok. Parce que si tu mens, je te donnerai à bouffer au chien. Ah. Ouais, mais ça dépend ce que c'est comme chien, quoi. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, putain? Ça fait des jours que je dors pas. Le boss a dit pas de drogue. Diego, j'essaie juste de maintenir éveillé, c'est tout. Ouf. Respecte les putains d'ordre. La douleur te maintiendra éveillé. Allez, remets-toi au boulot. La Salma, c'est en guerre. Okay, il a pas l'air d'être content, lui. Alors obéis. C'est comme ça que l'organisation survit. Il se la raconte un peu, ça lui, que quand le même. Le boss est là ce soir. El Sin Nombre est ici? Non. Mais la sicaria personnelle du Sin Nombre, oui. Valeria, en voilà un autre. Un gringo. Avant, je dis. Assis-toi. Hey, yo, sexy lady. Y a moyen que tu me fasses une fouille personnelle? ¿Y este quién es? Su nombre es Jabón. Él nos buscó. ¿Jabón? No mames. ¿Y lo trajiste para acá? Así nomás. Dice que tiene información. ¡Pendejo de mierda! ¡No tenemos ni puta idea de quién es este güey! ¡Ya nos vio la cara! Valeria, necesitamos servicios de inteligencia. Él puede ayudarnos. Pues más te vale que nos dé algo, porque si no... Luego de que mate a este vato, el que va a esa silla eres tú. Ah, pas l'air de rigoler, là. Niños. C'est très simple. Je pose des questions, vous répondez honnêtement. Ne vous avisez pas de me mentir. T'as un joli pétard. Jusqu'à présent, on protégeait un ami dans les montagnes. Mais quelqu'un nous a attaqué. Qui? Lui. Et au frérot. Répète pour que le blanc comprenne. Je crois que c'était le cartel rival. À ton tour, Blanquito. Qui nous a attaqué? C'était le cartel. C'était le cartel. T'es sûr de toi? C'était les concurrents.
Ouais. C'était les concurrents. Non, Güero. On a retrouvé les corps. Ils appartenaient à aucun cartel. Tes informations valent rien. Oh. Jusqu'à présent, on protégeait un ami dans les montagnes. Mais quelqu'un nous a attaqués. Qui ? Bon, bah, mauvais choix, les amis. Répète pour que le blanc comprenne. Je crois que c'était le cartel rival. À ton tour, Blanquito. Qui nous a attaqué ? Bon, on va dire que c'est les Américains. Hein. C'était pas le cartel. C'était les forces spéciales mexicaines. On a retrouvé les corps. Fuerzas especiales. Mais comment un étranger peut savoir que c'était les forces spéciales mexicaines et pas toi ? Peut-être qu'il y était. Tu y étais, connard. Peut-être qu'il y était aussi. Des étrangers ont collaboré avec les forces spéciales mexicaines. C'était qui ? On les a entendus crier, parfois en anglais. Ils étaient avec les gringos comme lui. C'est les Américains. Une SMP américaine. Un groupe baptisé la Shadow Company. Los vaqueros están trabajando con los mercenarios, güey. Esas pinches víboras. Je comprends l'espagnol, hein. Vous voyez ? J'avais raison ! C'était les gringos ! Mais t'as des preuves de l'existence de cette Shadow Company ? Comment je peux le prouver ? Et toi alors ? T'as une preuve ? Regarde dans ma poche. Fouille bien dans ma poche, fouille bien au milieu de ma poche. C'est quoi ça ? L'insigne de la Shadow Company. La preuve. Qui dirige la Shadow Company ? Mm-hmm. Je veux un nom. Ghost. Ghost. Je veux un vrai nom, pas un indicatif. Philip Graves. Philip quoi ? Graves. Ça me plaît. Ce type, Graves. Qu'est-ce qu'il veut ? El Sin Nombre. Il veut votre boss. El Sin Nombre. No puedes confiar en él. No puedes. Te lo digo. Tú no nos has dicho ni verga, idiota. Te pagamos muy bien y este extranjero sabe más que tú. Ok, là, ça tourne au vinaigre. Oh. Que bonito. Que viven ahí. Mettons-nous au boulot. Allez, on va là-haut. Au revoir, petit cul. Allez, Güero. Oh merde. Allez, on va là-haut. Putain, je suis une quille, hein, les amis. Allez, je sais pas pourquoi j'ai voulu mettre un coup de poing. Du coup, je l'ai même pas assommé, quoi. Que les choses soient claires, on n'en a pas fini avec toi. El Sin Nombre décidera de ton sort. Vuelta a trabajar, pinches cabrones. Arrêtez de toucher la weed, vous. Allons-y. Allez, par ici. Attends, mais lui, il marche et moi, je cours et il va plus vite que moi. Hey, je vais avec la chica. Oh! Je voulais avec la chica dans l'ascenseur. Je voulais lui chanter en apesanteur. Quand est-ce que je verrai El Sin Nombre ? Pourvu que ce gros port dégage de là. Tu attendras avec les autres. J'ai comme l'impression qu'El Sin Nombre. Je veux toucher tes boobs.
Tu vas devoir attendre ici, Soap. Tu vas estar en la ofrenda. Que no me interrumpan. Oui, parle bien espagnol, Alejandro. Órale, me encargo d'él, güey. Le necesitan afuera. Ok, il faut lui donner un masque et le surveiller. Tu es vivant? Alejandro, je vois que toi aussi. El Cid Nombre est dans la suite. Au dernier étage. Il faut une carte d'accès. Diego en a une. Diego, donne-moi ta carte d'accès. Tiens. Pourquoi un masque? Fantomas. Les gens peuvent pas être vus avec le cartel. Le masque de Myers. Yes. On marche. Ok. T'es prêt? Sortons. What the fuck, y'a un gros cigare lui? Qu'est-ce qu'on a? El Cid Nombre est dans le penthouse. Au deuxième étage. Est-ce que je suis le seul à sauter comme ça dans le penthouse? La carte de Diego. Où est Diego? C'est pas étrange, non? Des offrandes, premier étage. Tu vois quelque chose, lieutenant? Si tu trouves un moyen de monter sur le toit, tu pourras accéder au penthouse. Dans tous les cas, faut que je monte. Ok, il faut que je monte. Alors, si les gardes te trouvent là-haut ou dans le garage, ils n'hésiteront pas à t'abattre. Qu'est-ce qu'il y a dans le garage? Aucune idée, mais c'est important pour Diego. Trouve El Cid Nombre et finissons-en. Terminé. Ah, mais tout le monde peut être louche dans le toll. Alors, prenez la carte d'accès de Diego à l'ofrenda du deuxième étage ou trouvez comment monter sur le toit. Ok. Alors, comment on pourrait monter sur le toit, à votre avis, les amis? Je prends une bouteille. Pratique pour faire diversion. J'en prends même deux. Oh putain. Attends, il est où Alejandro? Ok, Alejandro, il est là. Du coup... Parce que si je jette la bouteille là-bas... Ok, ça c'était pas une bonne idée, les amis. Pourquoi je peux rentrer dans la salle de bain? C'est quoi l'intérêt? Que merde c'est ça? Echaré un vistazo. Avant d'attaquer, assure-toi d'être dans un lieu reculé. Aléjate de mi amigo. Deja que me desarme en paz. Attention, idiota. Y es que un guardia también te dé una paliza. Ok. Je sais pas si... También quieres putearme? Merde, c'est verrouillé. Ok, bah on a fait diversion, hein, les amis. Je sais pas si c'était bien de le faire comme ça, mais. Tous les invités sont sortis. Si les gardes te trouvent. Ils attaqueront. Ah, mais pourquoi sur moi? Mais comment ils peuvent savoir que c'est moi? Putain, c'est compliqué, les amis. C'est un truc de ouf comment c'est compliqué. Mais... Ok. On s'est fait flasher la gueule. Aïe.
S'il balance une grenade, c'est un génie l'autre. Putain, les Rondros en PLS. Ah, la grenade. S'ils pouvaient se tuer entre eux, ça m'arrangerait, vous voyez. Ok, donc là, on est à l'étage. Je bouge. Merde. Attends. Alejandro. Ok. Diego. Force, je te reconnais bien là. J'ai buté Diego. Je dois prendre sa carte d'accès. Pas mal. Donne-moi le pétard là. Donne-moi la carte d'accès. On se retrouve devant l'ascenseur. Donne-moi une bouteille. Donne-moi deux bouteilles. Pour faire l'ascenseur tout de suite. Boum. Ok, ça c'est pas un jouet pour les Mickey. Hein. L'ascenseur, allez. Ok, ok, ok. Go l'ascenseur. Vite. Ok, je surveille, je surveille. Ok, good. Let's go, let's go. C'est parti. Ok, bon, ça c'est fait les amis. J'ai un peu galéré. Ce soir on reprend le contrôle. Et ça va peut-être le faire. C'est maintenant ou jamais. Ouais. Contrôle de sécurité droit devant. Comment on traverse ? Ok. Alors du coup j'ai pris un petit pompe là. Ça pourra peut-être me servir. Attends, j'attends de voir ce que fait Alejandro. Ok, lui il y va en méthode douce. Ramène-toi. Ouais, t'es sérieux que c'est moi qui dois enfoncer la porte, frérot? Caméra endoscopique en place. Procède à l'identification d'Elsin Nombre. Mettons enfin un visage sur celui qui n'a pas de nom. La cargaison d'Espagne est arrivée comme prévu. Jefe, debemos movernos. Pendejito de mierda, je travaille là. S'il y a un putain de problème, tu le résous. Ok, alors ça c'est Valeria. Je peux vous garantir que mes hommes respecteront cet arrangement. Elsin Nombre, debemos irnos ahora. Ah mais c'est Elsin Nombre. Vámonos. C'est elle, c'est elle. J'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? La sicaria que j'ai rencontrée au sous-sol, Valeria. C'est elle, Elsin Nombre. Valeria? T'es sûr, hermano? Yes. Oui. Yes, sir. Il faut qu'on bouge. Graves, si Nombre se fait passer pour une sicaria, on entre. Vous êtes prêts? Ok. Ghost? Ouais. Il nous la faut vivante. T'es prêt, Ghost? Ok, ok, ok. Laisse-moi reload, 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 reload. Ah mais j'ai même pas le temps de sortir, ils sont déjà en train de tirer quoi. Ah c'est des campeurs, hein. Mon dieu. Ok, je reprends le pétard là. À terre, j'ai dit, à terre. Je mets les menottes. Elsin Nombre. Mon nom est Valeria. Caché à la vue de tous. Ah, caché. Je suis partout, soldat. Regarde-le comme il est content, lui. Nous aussi. On y va. Bien joué, les potes, bien joué.
Ça, c'est un travail d'équipe. Mon pote, tout va bien ? Valeria ! Je la connais ! C'est ma sœur. Asseyez-vous. Dites-moi, comment vous vous connaissez tous les deux ? Se connaître, c'est un grand mot. Les paroles fortes sont importantes. Notre parole est notre valeur, non ? De la verga, de la puta que te voy a matar ! Oh, 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 dis calme, comment ? Oh, dis calme, il tue. Ramos, dis-leur. Personne ne me donne d'ordre. Même les clefs de Las Almas n'osent plus m'abouiller. Sans blague. Non, c'est une ancienne militaire. On a servi ensemble. Différentes escouades. Même unité. D'un côté, vous, les sauvages. Les vaqueros. Les vaqueros. De l'autre, mon équipe, irréprochable. Jusqu'au raid contre le fils de la Araña, tu te souviens ? Comme si c'était hier. Son équipe était censée boucler la ville pour empêcher les mercenaires de la Araña d'entrer et éviter le bain de sang. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ouais, personne n'est entré parce que c'était vous les mercenaires, pas vrai ? Il a été escorté dans les montagnes sans incident. Et on a évité le bain de sang. Il devait finir derrière les barreaux. Donc vous l'avez tué. Et pris sa place. J'avais laissé une place vacante. Et je l'ai comblée. Las Almas a besoin de moi. Las Almas a besoin de soldats. Pas de sicarios. Et toi ? Et toi, t'es quoi ? Toi, t'as déshonoré l'armée. Donc tu mérites le châtiment ! Et tes frères aussi. Tu vas te faire lécher les pieds par une chèvre, du coup. Pourquoi vous faites ça ? À vous de me le dire. C'est pas vous, les mercenaires ? La concurrence profite de votre inaction. T'es une narco qui protège un terroriste. Le terrorisme, c'est bon pour les affaires. Une forme d'assurance. Ça veut dire quoi, ça, putain ? Puedes sacar la puta cabeza del culo por un segundo ! Puta madre, Alejandro ! Hey, calme tes fesses, toi, oui ? La chica. Parce qu'il y a une guerre contre le terrorisme, ça laisse le champ libre au trafic de drogue. Pour trouver votre soi-disant terroriste et vos missiles, vous avez besoin de moi. Pour éviter un bain de sang. Non, ça sera sans moi. Ça change rien. Au contraire, ça change tout ! Putain ! Ne faites pas de marché avec elle. Je la sens pas, elle. Ça va mal se finir. Elle, je la vois juste sur une barre de pole dance, c'est tout, quoi. Et maintenant, c'est à ton tour de dire la vérité. Je veux les missiles, je veux la cible, et je veux Hassan. Vous avez 10 secondes pour tout me dire, avant que je vous montre la différence entre l'armée et moi. Je connais pas les cibles. Je suis qu'un messager, un simple pion. Mais je sais où sont les missiles. Et à votre retour, je vous dirai où se trouve Hassan. En échange, vous me laissez partir et vous foutez le camp de Las Almas. Je veux plus vous voir. Ok. Mais si tes infos sont fausses, cocotte... Okay. I see you. En attendant... Vous resterez ici,